aujourd'hui nous allons voir un maquillage pour les yeux marrons. C'est extrêmement facile parce qu'avec les yeux marrons, on peut tout se permettre. Toutes les couleurs vont avec les yeux marrons. On peut s'amuser vraiment à travailler toutes sortes de dégradés. C'est que si on travaille par exemple un maquillage plutôt dans les foncés bleu marine, ça va faire sortir le jaune de l'œil, donc ça va rendre l'œil un petit peu plus doré. Si on va travailler les yeux marrons dans un dégradé de violine un peu foncé, ça va faire sortir l'œil un petit peu plus, vert. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va travailler un maquillage de jour un peu classique, dans les taupes, un peu gris, un peu marron, comme ça, une espèce de dégradé. Pour commencer ce maquillage, je vais le commencer avec un crayon, ce qui va me faciliter l'application du fard. Donc là, je vais travailler la racine, la moitié de l'œil, un trait. Et que ce soit droit ou pas, ça n'est pas grave parce qu'on va la fondre après en ombre. Avec un pinceau propre, je vais le faire fondre sur toute la moitié de la paupière. Une fois que le crayon est fondu, je prends mon top irisé et je vais le poser en tachant la moitié de l'œil, sans chercher un dégradé. Pas de balayage du pinceau, aucune recherche de dégradé, juste un remplissage. Je colorie la moitié de l'œil. Je reprends ma palette, je vais prendre l'intensité lumineuse et je vais la poser au centre, juste à côté. Et on sent le dégradé qui est en train de se mettre en place tout seul. Et maintenant, avec un pinceau propre, boule, sans matière, toujours les yeux ouverts, on va dégrader là où le maquillage s'arrête. Pas dans le maquillage, juste à la limite. On va poser le mascara. Et là, pour terminer le maquillage des yeux, on va mettre en lumière juste l'angle interne. Tout est fondu, on ne voit pas où le maquillage commence, où il se termine. Et voilà, un maquillage pour les yeux marrons.